大家好，欢迎来到 Unique France， 我是云。今天这期视频呢，我们从这片盐碱地开始，我们要在一个法餐主厨的带领下去采集一种非常罕见的植物，是什么呢？先卖个关子，看下去你就知道了。既然我们请来了主厨呢，那么我们就一定要跟他取点经，所以等会儿我们要去他的厨房学学他的招牌菜。Bonjour Yun. Merci de nous avoir invités. Alors, qu'est-ce qu'on fait là exactement? Eh bien, on est venu chercher des plantes sauvages pour le restaurant. D'accord. Tomoyuki et l'Obione. Il utilise beaucoup cette plante? On va l'utiliser un petit peu, surtout pour son côté salin et croquant. Donc, soit accru sur les assiettes, soit dans des salades. Donc, quel plat on va préparer aujourd'hui? Aujourd'hui, on va préparer un maquereau de la Manche, façon Gravelax, avec des herbes sauvages et de la pomme verte. Ouh, ça a l'air trop bon, on y va? Bah Yun, on n'a pas pris les herbes. C'est du sauvage. C'est un peu comme un sauvage. Ah non, ça c'est de l'ail. Soin. Garlic. 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 Et la fleur, je vais manger ça. C'est puissant. That's true. You are shooting? Yes. Alors, on se prend. Voilà, je dis, on va faire le macro façon Gravelax. Donc, il nous faut les macros. On va avoir l'assaisonnement avec le sucre et le sel. Ensuite, on va faire tout le dressage de l'assiette. Okay. On a tous les petits éléments. Moi, j'ai préparé en avance. Okay. Pour. Et on a les herbes qu'on a ramenées tout à l'heure. C'est ça, chocolat blanc fumé. Smoked white chocolate? Ready? Oh! Yenchun bai chocolate. Donc, on va commencer par faire les filets de maquereau. Le citron. Super. Oui. Voilà, un peu au frigo. Et c'est fini. Oh. Pour l'instant. Donc là, je vais préparer la petite garniture qui va aller avec l'assiette. On va dresser l'assiette. Ok. Alors. Ça. Ha ha ha.
maquereau, façon grave lax, pomme verte et herbe sauvage. Et voilà! Tu sais, c'est quel plat que j'ai fait?它 带有一种烟熏的味儿，但是鱼肉又不是完全做熟的，特别特别的鲜美。Alors, c'est quoi tes ambitions en tant que chef et pour ton restaurant? Alors, le but du restaurant, c'est de pouvoir faire découvrir à mes clients une cuisine avec des produits simples, populaires, une cuisine complètement ouverte.Avec des saveurs, des textures complètement différentes de ce qu'ils ont pu avoir eu l'habitude de manger et de faire plaisir avec des produits frais. Donc voilà. Qu'est-ce qui t'inspire dans ta cuisine? Alors l'inspiration, je la trouve en me baladant, comme on a pu le faire pour aller chercher les herbes. Parce que tu vas avoir un produit, tu as des idées qui vont venir ou alors sur le marché. Juste entre nous, pourquoi le restaurant s'appelle Obium? Alors j'ai voulu appeler le restaurant Obium dans le sens où ça correspondait totalement à l'esprit que je voulais par rapport à ma cuisine, par rapport au lieu, avoir quelque chose de très très nature qui représente aussi la baie du Mont-Saint-Michel. Donc par ce message là en fait ça symbolise que je travaille avec des produits locaux, donc il y avait vraiment ce côté végétal aussi, donc voilà pourquoi j'ai voulu appeler le restaurant Obium.观看我们视频的朋友们，如果你们有机会来到 Afonche， 一定要来 Obium， 品尝一下最最地道、最最正宗的法式料理。而且，如果你们跟主厨说是因为看了 Unique France 的视频来这里的话，还会得到一份小惊喜。好了，这期视频就到这里了，我们下期再见 ，Afris， bye。Voilà, son façon grave lax, pomme verte et herbe sauvage. C'est pas un macron? Macron? Ça va direct dans le bonus à la fin.